Eh bien salut tout le monde, c'est Cash 13002 et aujourd'hui on se rend pour la revue du scan 637 de Naruto. Donc ce scan Naruto est franchement un scan rempli de rebondissements. Donc comme vous allez voir, donc le scan précédent s'est arrêté sur Madara qui voulait réanimer le Jinchuriki de Shubi. Il avait fait le Rin Tensei pour devenir lui-même un Jinchuriki. Donc maintenant je fais Obito, maintenant je vais faire ce que je t'ai dit il y a bien longtemps, en gros, que quand Madara il a sauvé Obito, il avait dit ne me remercie pas car après tu vas, mais il avait pas fini sa phrase. Donc on va ensuite ils veulent pas que le Jinchuriki de truc de Jubi il ressuscite, en gros. Donc, il commence tous à attaquer, Hashirama il fait 3, 4, 5, je sais pas combien de clones. Le deuxième il en fait 2. Et là on voit un peu Minato faire des signes bizarres. Donc on voit Obito qui commence à perdre ses cheveux. Perdre ses cheveux, pas chauve. En gros il commence à perdre la couleur de ses cheveux. C'est-à-dire qu'il commence à devenir les cheveux blancs et tout. Il repense à quand il était petit. Il repense à son maître. Donc là ils veulent tous arrêter le truc. Ils veulent tous tuer Obito en gros pour arrêter le processus. Donc Sasuke qui s'empresse avec son soupçon d'arriver. En tout cas, moi je dis qu'on sait déjà que c'est Minato qui va venir parce que c'est le plus rapide de tous. Donc en gros, Sasuke s'est fait attaquer par les pics qu'il avait au Obito, mais il utilise un Amaterasu pour contrer. Donc tous les clones se précipitent, tout Naruto, tout le monde. Et là, en gros, parce que Minato c'est le seul à croire en Obito, il faisait Obito que ce sera grand, deviendra Hokage tous les deux. Donc en gros on voit à la fin une image Obito et Minato quand ils sont plus jeunes, en gros. Donc en gros on voit Obito et tout, ils lui disent on deviendra Hokage, et on voit la deuxième image maintenant à l'heure actuelle. Donc Minato qui transperce, qui littéralement découpe Obito avec son kunai. Donc voilà quoi, et Sensei, en gros Minato maintenant il sait que c'est lui qui en gros était le responsable de l'attaque de Kyuubi là, il y a plus de 16 ans. Donc voilà. Donc ensuite en gros la marque de l'Iraishin, en gros c'est la marque qu'il avait fait, que lui avait fait la Rasengan, en gros pour le marquer, elle disparaît jamais, ce qui lui a permis de se téléporter directement à Tobi sans voilà. Donc en gros Sasuke qui est là, qui carrément se croit que c'est la fin, il fait on l'a battu maintenant on scelle l'autre zombie et c'est fini. Mais là Tobi fait crois-tu gagner la guerre si facilement, toi sale traître. Après on voit un peu Jubi s'énerver. Comme on l'a vu, le truc du Rin Tensei était fini. Et là on voit le Jinchuriki de Jubi, donc un peu avec la face d'Obito en fait. À ce que j'ai pu voir. Voilà. Donc, sur ce scan, pas vraiment de conclusion vu que c'est un peu plus de la parlotte, mais même s'ils ont arrêté, c'est un peu plus de la parlotte qu'autre chose. Donc le prochain scan, le Jinchuriki est né quoi, en gros, Obito, c'est le Jinchuriki de Kyuubi maintenant, de Jubi plutôt. Donc en gros un Jinchuriki, qu'est-ce que c'est? C'est un autre qui maintient un démon, c'est comme Naruto, il a en lui Kyuubi, ça fait de lui un Jinchuriki. Donc en gros maintenant, à ce que je peux m'attendre, c'est... un magnifique combat entre Minato, Naruto, Sasuke contre Obito, donc voilà. Et Hashirama contre Madara. Donc voilà, donc ce scan était très... Bon, on va dire qu'il était très bien, mais il était magnifique quand même. Donc moi, je vous dis une prochaine vidéo sur ma chaîne, assurément pour le triple scan de Fairy Tail la semaine prochaine. Donc oui, un triple scan, ça va être chaud de faire la review, mais je vais quand même vous essayer de vous la faire. Donc le triple scan, donc moi je vous dis une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous, ciao à plus.